Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour. Alléluia, rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour. Ils le diront les rachetés de Yahvé, qu'il racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla du milieu des pays, orient et occident. Nord et midi. Ils erraient au désert dans les solitudes, sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils avaient faim surtout. Ils avaient soif. Leur âme en eux défaillait. Et ils criaient vers Yahvé dans la détresse. De leur angoisse, il les a délivrés, acheminés par un droit chemin pour aller vers la ville habitée. Qu'il rende grâce à Yahvé de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam. Il rassasia l'âme avide, l'âme affamée, il la combla de bien. Habitant d'ombre et de ténèbres, captifs de la misère et des fers, pour avoir bravé l'ordre de Dieu et méprisé le projet du Très-Haut, il ploya leur cœur sous la peine. Il succombait et pas un pour les aider il criait vers Yahvé dans la détresse de leur angoisse il les a délivrés il les tira de l'ombre et la ténèbre, et il rompit leurs chaînes insensés sur les chemins du péché misérables à cause de leur faute tout aliment les dégoûtait ils touchaient aux portes de la mort et il criait vers Yahvé dans la détresse de leur angoisse, il les a délivrés. Il envoya sa parole, il les guérit. À la fosse, il arracha leur vie. Qu'il rende grâce à Yahvé de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam. Qu'il sacrifie des sacrifices d'action de grâce, qu'il répète ses œuvres en chants de joie. Descendus en mer sur des navires, il faisait négoce parmi les grandes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de Yahvé, ses merveilles parmi les abîmes. Il dit et fit lever Un vent de bourrasque qui souleva les flots. Montant aux cieux, descendant au gouffre, Sous le mal leur âme fondait, Tournoyant, titubant comme un ivrogne, Leur sagesse était tout engloutie. Et ils criaient vers Yahvé dans la détresse. De leur angoisse, il les a délivrés. Il ramena la bourrasque au silence, et les flots se turent. Ils se réjouirent de les voir s'apaiser. Il les mena jusqu'au port de leur désir. Qu'ils rendent grâce à Yahvé de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple au conseil des anciens, qu'il le loue. Il changeait les fleuves en désert, et les sources d'eau en soif, un pays de fruits en saline, à cause de la malice de ses habitants. Mais il changea le désert en Abdo, une terre sèche en source d'eau. Là, il fit habiter les affamés, et ils fondèrent une ville habitée. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et font du fruit à récolter. Ils les bénissent et ils croissent beaucoup. Ils ne laissent pas diminuer leur bétail. Ils étaient diminués, défaillants, sous l'étreinte des maux et des peines, déversant le mépris sur les princes. Ils les perdaient en un chaos sans chemin. Mais ils relèvent le pauvre de sa misère. Il multiplie comme un troupeau les familles, les cœurs droits voient et se réjouissent, tout ce qui ment à la bouche fermée. Est-il un sage qu'il observe ces choses et comprenne l'amour de Yahvé?